Bonjour, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente puisque comme vous le constatez, je suis en moto. On lance le générique et je vous en dis plus après. Générique. C'est une moto qui m'a fait rêver, que j'ai cherché pendant un an, parce que c'est un modèle très limité. Je la voulais peu kilométrée et dans une série spéciale, vous découvrirez tout à l'heure lorsqu'on s'arrêtera. Donc il s'agit d'une Ducati S4 RS de 2008. Et pour vous dresser le tableau, c'est une bombe. Elle fait 177 kg à sec. Et dans cette configuration, elle fait pas loin de 150 chevaux, peut-être un peu moins, 148. Donc on est loin de la génération initiale de 1993, la 900 cm3, qui elle faisait que 73 chevaux. Celle-ci, c'est une bombe atomique, elle a un châssis de dingue. Des reprises, vous voyez le dépassement. Je ferme même la caméra. Nous sommes entre Saint-André-de-Cubzac et Bourg-sur-Gironde. Et on fera une pause sur la route de la Corniche pour tenter de faire une belle photo si le ciel veut bien nous y aider. Alors si j'aime autant cette moto, c'est qu'elle cumule pas mal de points communs avec la Cobra. On a du caractère, une puissance démoniaque et une sonorité brutale. C'est bien sur ces routes sinueuses et peu fréquentées qu'elle s'exprime le mieux. Allez, on s'arrête et on en fait le tour. Alors voilà, on va en faire le tour. Alors, ce qui fait sa spécialité, celle-ci, c'est cette couleur tricolore. À l'époque, cette moto valait 15 000 euros. Et pour avoir cette couleur, il fallait rajouter 500 euros de plus. Imaginez-vous, 15 500 euros en 2008. Ça faisait une somme. Donc c'est ce qui fait sa rareté, parce que peu de gens étaient prêts à mettre 15 500 euros dans cette machine. Donc, vous avez beaucoup de carbone. Les fameux pots Termignoni qui apportent ce surcroît de puissance. Voilà. Et en plus, regardez, on est dans un cadre magnifique. Nous sommes sur la route de la Corniche entre Bourg-sur-Gironde et Blaye. Un coin magnifique. Et puis on va patienter un peu pour tenter de faire une photo de coucher de soleil. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et à très bientôt sur Cobra TV.